Salut tout le monde. Alors j'ai vu que pour le moment, pour faire des vues sur YouTube, fallait faire la critique du film Astérix. Donc, je l'ai vu. Je l'ai vu. Par contre, bon, j'ai pas payé ma place de cinéma parce que je l'ai piraté. Parce que j'ai lu sur Internet que Guillaume Canet est transphobe, je crois. Enfin, j'ai pas trop suivi, mais j'ai vu qu'il y avait une histoire de boycott pour le moment d'un truc et qu'il fallait pas donner d'argent. Donc voilà, j'ai boycotté et je l'ai téléchargé. Alors je l'ai vu. Je dois dire que contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai vraiment bien aimé. Certes, ouais, il y a des trucs, c'est de l'humour un peu lourdingue. Certes, il y a un peu de trucs où voilà, on se moque un petit peu des étrangers. Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est Guillaume Canet en Astérix. Franchement, on y voit que du feu, hein. Moi j'ai vu Christian Clavier, quoi. C'était vraiment impressionnant. Pareil, Gilles Lellouche. C'est Gérard Depardieu. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Franchement, niveau maquillage, ils ont fait un truc de fou. Un truc de fou. Mention spéciale pour tous les guests qui sont dedans. Bon, certes, il y en a qui disent ouais, c'est pour ramener des gens avec leur notoriété. Ces gens n'ont rien à faire dans le film. Ça ne sert à rien du tout. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, par rapport au décor, il y a un truc que je trouve un peu dérangeant, c'est qu'on voit bien que ça n'a pas été tourné dans le pays. Ça, c'est vrai. Sinon, Cléopâtre. Ouais, bof, bof, bof. On voit qu'elle est là, un peu pour être là, quoi. Sinon, je trouve que Jamel, excellent. Jamel est vraiment excellent dedans. Et par contre, effectivement, j'étais très, très surpris de revoir Dieudonné. Ouais, très, très, très surpris. Bref. Ah, et d'ailleurs, Dieudonné comme Jamel, on dirait qu'ils ont rajeuni de 20 ans, quoi. Bref, je recommande vraiment le film, il est très 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 cool. Donc voilà, allez le voir, n'écoutez pas toutes les critiques qui vous disent des trucs machin, non, non, très très cool. Et big up à Gérard Darmon, vraiment le meilleur méchant de film Astérix, vraiment excellent. Bref, allez le voir, il est top.